La vidéo ça n'a continué avec version 8F que nous te gagnons sur Econois dans la fin vidéo précédente. Nous t'a parlé de l'importance pour nous penser à communiquer avec futur recruteur là dans la langue que annonce l'en fait là. Même si nous préparer documents, donc nous avons les lettres là en français, nous aller mettre les après en anglais tout. CVA pareil, CVA nous préparer en français, son CV générique, nous juste mettez 2-3 mots, 2-3 dates, nous mettez un peu n'importe quoi pour nous cas ou forme CVA. Quand il y a là, dans 8F là, nous avons parlé de langue, n'est-ce pas? Dans 8G, prochaine version, hein? Nous avons la différence qui gagne entre paragraphe avant bloc de signature là, dans version 8G par rapport à ça, nous avons gagné dans 8F là. Le plus rapproché de version qui pourra aller distribuer à, que nous allons remettre à l'entreprise là, que nous allons voyer aller accéder à. Alors, Mani. Et mes versions lettres là en français. Vous remarquez que moi changer accent dans oua. On nous fait attention. On nous lit, relit, 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 relit. Et voilà. Donc, a priori, lettre que nous allons voir aller assembler avec une version comme ça. Dans la prochaine vidéo, nous allons traduire lettre là du français vers l'anglais.